Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Je me nomme Gal et je serai votre animateur. Aujourd'hui, nous accueillons chaleureusement Donald Muriango qui va nous parler de le Sonos sans speaker. Bonjour Donald, comment ça va? Bonjour Gad, ça va très bien. Et vous, comment ça va? Ça va très bien et vous? Merci. Quel est le genre de haut-parleur que nous allons découvrir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme vous voyez, je suis venu avec un produit Sonos. Le Sonos est une compagnie américaine qui est basée en Californie. Ça a été créé en 2002, le 30 juin exactement, en Californie. Et le Sonos produit des produits et commercialise aussi des haut-parleurs sans fil. Comme vous voyez ici, je suis venu avec l'un des produits de Sonos, le Sonos Room. OK. Pourquoi avez-vous choisi le Sonos Room parmi les autres? Pourquoi j'ai choisi le Sonos Room? Il y a beaucoup de variétés de produits en Sonos, comme le Sonos One. Sonos One qui est très compatible avec les autres, avec le Amazon ou bien Alexa. Et il y a le Sonos Beam. Le Sonos Beam, c'est une barre de son que vous pouvez brancher à votre télé. Ça donne une meilleure qualité d'audio avec les téléviseurs. Ouais, mais moi, je suis venu ici avec le Sonos Room. OK. Quels sont les avantages du Sonos Room? Les avantages du Sonos Room. Le Sonos Room est différent des autres, des autres produits Sonos. Comme je vous ai dit, bien, les Sonos Beam, c'est une barre. Beaucoup de produits Sonos, ils sont une grande taille. Donc, ils prennent beaucoup d'espace, mais ils ont aussi une bonne qualité de son. Mais le Sonos Room a une petite taille, donc il est très flexible. Vous pouvez la porter, c'est très portable, vous pouvez la porter où vous voulez, comme vous la mettre dans votre sac. Vous pouvez la jouer quand vous êtes dans votre salon, ou bien dans votre jardin, ou bien même si vous sortez dans les parcs, ou bien sur la plage. Donc, j'aime bien sa flexibilité vu que c'est aussi portable aussi. OK. Comment et où peut-on l'acheter, le Sonos Room? En parlant aussi de où il faut l'acheter, vous pouvez le trouver en ligne. Vous pouvez le trouver en ligne sur Amazon, bien aussi sur le Sonos. Et aussi, ce que j'avais oublié aussi de dire sur le Sonos Room, un autre avantage, c'est que vu que c'est portable aussi, mais aussi ça a une batterie interne, pas comme les autres. Les autres Sonos, tu dois les mettre sur les prises pour que ça marche, mais celle-là, elle a aussi une autonomie très forte, elle peut jouer comme 24 heures. Donc c'est très bien pour avoir un bon Sonos comme ça. Et aussi c'est praticable sur le Bluetooth et aussi sur le Wi-Fi. Beaucoup d'autres produits Sonos, vous ne pouvez pas les mettre sur les Bluetooth. Tu dois avoir aussi des applications. Donc comme je viens de vous dire, vous pouvez le trouver sur Amazon ou bien dans les autres magasins qui vendent de l'électronique comme le eBay ou bien comme moi je l'ai trouvé sur The Source. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission, Donald. Ah, merci. Merci d'être venu présenter ton speaker de Sonos ici. Merci. Restez avec nous à l'attente. Nous aurons notre prochain chroniqueur, Maxime Nadeau, qui va nous présenter son télescope.
Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle émission À découvrir. Aujourd'hui, nous recevons Ellie Mécanis qui va nous présenter des albums de K-pop et plus particulièrement nous expliquer les différences entre eux, la différence envers les autres albums et les secrets qu'ils peuvent cacher. Bonjour Ellie. Bonjour Jérémy. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui, super, merci. Donc justement, on parlait de la différence entre les albums de K-pop et les albums d'autres types de musique. Oui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle pourrait être la différence entre ces deux? Absolument. Donc, comme tu le sais, des albums en général, dans l'industrie de la musique, ça vient dans un petit case en plastique transparent. Mm-hmm. On a souvent quelques photos, puis le CD en tant que tel. Sauf que l'industrie de la K-pop a décidé d'aller un petit peu plus loin que ça, mm-hmm, et nous fait vraiment vivre une expérience à chaque fois qu'on ouvre un nouvel album. Et il y a plein de modèles et il y a plein de versions également. Aujourd'hui, je t'en ai amené trois. Donc, je vais te les présenter. Pour commencer, on a l'album It's Icy, qui est le premier album du groupe ITZY. Donc, c'est sorti en 2019, si je ne me trompe pas. Et cet album-là, qui est un petit peu sous forme de livre, c'est la version la plus classique, je vais dire, entre guillemets. C'est vraiment commun. Donc, c'est un livre. On voit que sur la couverture, on a le groupe au complet. Si on regarde en arrière, on a la liste de chansons avec la track et tout. Puis si on regarde à l'intérieur, ben, pour commencer, si on l'ouvre, on peut voir que à la droite, on a notre CD d'habitude. Mon CD fait partie d'une autre collection que j'ai dans un autre gros livre, donc il n'est pas dans l'album en ce moment. Et puis, si on regarde à la gauche, on a un livre de photos. Et à chaque fois qu'on reçoit un album de K-pop, il y a toujours ça, des livres de photos. C'est vraiment la grosse, grosse mode. Donc, si je feuille un petit peu, là, on peut voir les membres du groupe en question. Ici, on a Yuna, ici, on a Eugene, puis on a aussi des citations, des idoles, des textes et quoi que ce soit. Puis d'habitude, on a les paroles de leurs chansons également. Mm-hmm. Donc, ça, c'est le modèle un petit peu plus commun en livre comme ça. Un autre qui est commun aussi, c'est les boîtes. Donc ici, j'ai Born Pink de Blackpink, qui est leur tout nouvel dernier album qui est sorti. Donc ici, j'ai la version en noir, mais il y a aussi une version en rose, puis une autre version aussi également. Comme je l'ai montré précédemment, on a la liste de chansons en arrière, juste ici. Et puis, si on l'ouvre, c'est là qu'on voit les surprises un petit peu. Donc si j'ouvre la boîte ici, on peut voir que, pour commencer, on a ceci, donc avec des inclusions dedans. Donc là-dedans, c'est là qu'il va y avoir des autocollants, des posters, des cartes. Donc on a vraiment plein de choses. Ici, j'ai un exemple d'autocollants. Ici, on a tous les titres des chansons avec les lyrics également. Je vous montre ça ici. Donc on a Pink Venom, on a Ready for Love, on les a pas mal toutes. Et puis, si on continue, le fameux photobook avec les photos des artistes. Donc, je peux vous feuilleter ça un petit peu. Donc, ici, on a, par exemple, ça, c'est Jenny. Ici, on a Jenny encore une fois. Ici, on a Jisoo. Donc, c'est vraiment, ils ont un photoshoot à chacun de leurs albums. Là. C'est vraiment, mm-hmm, impressionnant. Est-ce que tu penses que des albums comme ça, dans d'autres styles de musique, ça pourrait être intéressant? Hey, oui, ça serait vraiment intéressant. Ouais. Parce que je ne connais pas d'autres industries musicales qui ont des albums semblables à ça. Mm-hmm. Puis, Jérémy, si on va plus loin, là, ouais, une boîte à pizza. Boîte à pizza? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, y a-t-il une pizza dedans? Non, c'est pas une pizza, c'est un album. Parfait. Donc, vraiment, vraiment original. Je ne connais pas tant d'autres albums que ça qui ont une boîte à pizza. Ici, on a Crazy in Love de ITZY. Ouais, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci de nous avoir présenté ça. On connaît beaucoup plus maintenant sur les albums. Oh, yeah. Ça a l'air bien intéressant. Je vais peut-être en pogner un. Pour vous à la maison, merci de nous avoir écoutés, mais restez pas loin, parce que juste après la pause, nous allons recevoir Alexandre Mercier, qui va nous présenter sa passion de la musique avec sa guitare.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue ou bon retour à Découvrir. Aujourd'hui, j'ai avec moi Docteur Santé qui nous présentera son produit No Depress. Bonjour docteur, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien et tout? Yeah, ça va, ça va. Premièrement, j'ai une question pour toi. C'est quoi l'origine de ton produit puis pourquoi tu voulais un remède pour la dépression? Oui, en fait, moi, d'abord, je présente No Depress parce qu'on a plusieurs produits, mais je trouvais en présenter No Depress, c'est vraiment très intéressant pour la société. Oui. Et je voulais un peu plus expliquer davantage à quoi sert No Depress. Et l'origine de No Depress, ça retourne dans le temps. Oui. Comme j'avais dit dans la dernière émission à Tequila, c'était vraiment pour la raison pour laquelle on a fait No Depress, c'était parce que mon grand-père souffrait de la dépression. Okay. Il n'y avait pas vraiment de remède qui va vraiment l'aider. Et comme... Donc, on a choisi ça parce que le but, ce n'est pas de calmer, hein. C'est vraiment de guérir. Okay. Mais ça, ce n'est pas un médicament, c'est des produits naturels, c'est 100% bio. Et c'est la façon qu'on les prend, c'est vraiment petit à petit pour calmer les muscles, les neurones, de bien aider en fait. Puis je regarde sur No Depress, puis je remarque qu'il y a 3 S. C'est pourquoi? En fait, si vous voyez ici, No Depress, les S, ça symbolise les antidépressions, okay, anti-anxiété et anti-stress. C'est pour cela qu'il y a les 3 S. Donc, c'est vraiment un produit qui vous facilite la tâche. Vous pouvez le prendre n'importe quand. Et la bouteille, c'est très simple à ouvrir. Si vous voyez ici, vous pouvez soit faire comme ça, puis l'ouvrir, juste le boire, c'est très facile. Ouf, pardon. Vous pouvez le prendre, c'est très facile. Et aussi, vous pouvez le fermer comme ça. Puis après ça, vous pouvez aussi l'ouvrir comme ça si vous voulez le boire. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Puis c'est ça, quoi. Puis où est-ce que je pourrais m'acheter ce produit-là? Puis combien ça coûterait? Vous pouvez les procurer n'importe où, comme dans des pharmacies, dans des cliniques, dans des hôpitaux, des boutiques de produits naturels. Donc, c'est vraiment facile à avoir. Et aussi, je n'ai pas mentionné les ingrédients. Mm. On voulait vraiment plus aussi rassurer la population. On a mis les ingrédients pour leur montrer qu'est-ce qu'il y a dans nos dépresses. Donc, si vous voyez ici, il y a les gingembre, citron, les rhizoprimes et les valériane. Donc, c'est vraiment des produits qui calment et ça aide vraiment pour le mental. C'est tout naturel. C'est tout naturel. Magnifique. En plus, puis, à quel âge est-ce qu'on pourrait commencer à consommer nos dépresses? L'âge pour nos dépresses, c'est 12 ans et plus. OK. Et vous pouvez l'avoir, vous pouvez le prendre comme vous voulez. C'est vraiment au besoin. Vous les prenez, si c'est au besoin, c'est une fois par jour, 3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment au besoin. C'est juste comme petit à petit, vous buvez. Vous pouvez le prendre quand vous faites les sports, gym, n'importe quoi que vous faites. Puis, c'est facile. Tu sembles magnifique là, mais est-ce qu'il y a des effets secondaires avec ton produit? Pour le moment, on n'a pas eu des problèmes avec nos dépresses. 99% des personnes ont pris ça, puis ça va super bien, ça fonctionne bien. On a eu quelques problèmes. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir présenté nos dépresses. Restez avec nous après la pause pour accueillir M. Donjon. On est à la caméra, donc...
et bienvenue à votre émission démonstration préférée à découvrir. Aujourd'hui, on reçoit un invité, M. Gad Mubenda, qui vient de nous parler de son speaker. Bonjour Gad, ça va? Ça va très bien, et vous? Ça va super bien. Donc, voulais-tu, je vais te poser la première question. Donc, pourquoi tu as acheté un speaker Sony? Tu aurais pu acheter un speaker d'autres marques comme JBL, par exemple? Effectivement. Ouais, mais comme dans le passé, j'avais acheté récemment... Non, dans le passé, j'avais acheté deux speakers qui c'était JBL, mais malheureusement, les speakers se sont brisés. Donc je me suis dit, pourquoi pas acheter le Sony. Et jusqu'à maintenant, c'est un bon speaker. C'est super, super ça. Puis comment il fonctionne ton speaker? Y a-t-il des particularités spéciales? Démonte-nous. Ici, il y a un bouton « Power ». Tu fais juste cliquer sur le power, puis ça s'allume. Il y a la lumière qui s'affiche. Ensuite, normalement, bon, le bouton Bluetooth s'affiche, comme c'est une lumière bleue. Et là, tu sors ton téléphone, tu te connectes, et puis bon, après ça, ben, tu joues la musique. Ben, c'est parfait ça. Puis quand est-ce que ça a été conçu, ce speaker? Ça a été conçu en juin 2015. Et jusqu'à maintenant, c'est toujours là, I guess. Mais ouais. c'est vraiment cool ça. Puis dans quel milieu d'environnement on peut l'utiliser? Est-ce qu'on peut l'utiliser, par exemple, dans une bibliothèque? Non, tu peux pas. Ce speaker est fait pour les parties. Tu peux l'utiliser aussi chez toi, pendant que tu fais la cuisine, ou quand tu es dans la salle de bain, quand tu prends ta douche, tu peux l'utiliser. C'est assez puissant. Donc, ouais. Cool. Puis, qu'est-ce que tu dirais que c'est la puissance sonore? Donc, mettons, on le déposait par terre puis on courait le plus loin. Où est-ce que où que je pourrais l'entendre, environ? Tu pourrais l'entendre à environ 20 à 25 mètres. Le son est vraiment comme élevé, c'est vraiment puissant. Tu peux attendre aussi la base qui sort des haut-parleurs. Donc, c'est à peu près ça là. C'est vraiment cool. Puis, dernière question, est-ce qu'on peut encore le retrouver sur le marché de nos jours ou est-ce que c'est un produit qui est discontinué? Malheureusement, non, vous ne pouvez plus le trouver dans le marché. Tu peux le trouver, si tu fais comme tu achètes des choses moins chères, tu peux le trouver sur Facebook Market ou Kijiji, mais si c'est comme le site Sony ou la source, vous n'allez plus le retrouver, c'est discontinué, comme vous avez dit. Puis c'est quoi ta fonction préférée sur le speaker, tu dirais? Je dirais plus le son live, le bouton live où comme tu peux attendre la musique comme ce qui a été comme enregistré dans un concert, tu peux l'attendre spécialement bien comme dans le speaker. Et aussi le fait que je peux aussi changer la lumière du speaker à partir de mon téléphone. Puis, quelles lumières qui sont offertes? Est-ce qu'on a toutes les lumières ou est-ce qu'on a juste des couleurs primaires comme bleu, rouge et jaune? Les couleurs primaires puis les lumières aussi secondaires. OK. Ouais. Et aussi, tu peux aussi le charger en arrière, juste ici en arrière. Ben merci, Gad. C'était vraiment un plaisir de te recevoir la semaine prochaine. On rejoint Donald qui nous parle aussi d'un speaker. Cette fois-ci, il nous parle d'un speaker Sonos. Et on se revoit la semaine prochaine pour ça. Restez connectés.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre émission À découvrir. Et aujourd'hui, nous sommes avec un invité spécial qui va nous présenter, qui va nous faire découvrir le télescope, Monsieur Maxime Natto. Bonjour Maxime. Bonjour Donald. Ça va? Oui, toi? Ça va bien. Pour commencer, d'abord, comment est-ce que vous avez reçu votre télescope? Donc, en fait, j'avais genre 8-9 ans quand je l'ai reçu. C'est ma grand-mère qui me l'a donné comme un cadeau. Ah, ça, c'est bien. Je lui ai jamais parlé de télescope avant. J'étais vraiment surpris à le recevoir. J'ai dit, c'est quoi tu veux que je fais avec ça? Mais je commençais à l'utiliser. Je sortais avec ma mère le soir, les soirs qu'il n'y avait pas de nuages. Et comment vous vous en sert? Fait qu'en fait, tu peux le desserrer ici. Ouais. Puis là, tu peux ajuster ton angle. Puis il faut que tu resserres après. Tu veux éviter les mouvements une fois que tu cherches pour ton objet parce que ça va être vraiment difficile de le retrouver dans le ciel après. Ici, sur mon manche, il y a, je peux ajouter l'assistance focale un peu. Ça, c'est pour les lentilles. Oui. C'est un peu pour les différentes distances. Les choses plus petites sont plus loin. Donc, ouais. Tu ajustes la distance focale. Donc, pour régler lentilles, vous les régler comme... c'est comme des caméras, quoi. C'est comme les cams? Oui, un peu comme les caméras. Ouais. Plus que ton ouverture est grande, plus de lumière qui peut rentrer. Ouais. Puis plus que ton image devient claire, plus qu'il y a des détails, vrai. Plus que tu peux voir. Évidemment, celle-là est assez petite. Fait qu'il n'y a pas autant de lumière qui peut rentrer. Tu ne peux pas trouver autant de choses. Ça, c'est pour trouver des constellations, tes étoiles, la Lune. J'ai trouvé Mars, vraiment, vraiment petit, mais... Ah, ça, c'est beau, ça. Évidemment, c'est un peu difficile. Avez-vous déjà utilisé des plus grosses... Oui, en fait, si tu vas au Centre spatial, oui. Ils ont un gros télescope. Ça, tu peux regarder dedans, c'est immense. Puis ça qu'ils utilisent pour trouver d'autres planètes puis des choses vraiment, vraiment plus loin. Ouais. Vous pouvez nous faire l'histoire du télescope? C'est quoi son début, comment ça a commencé avec le télescope? En fait, le télescope il a été popularisé à la fin du 16e siècle. Ouais. Mais il a été créé en 1608 par Hans Lippe. C'est un fabricant de lunettes. Il s'en connaît avec les lentilles, donc lentilles caméra. Ça fait un peu de sens. Et comment Hans a pu créer le premier télescope? Donc, en fait, c'était pas juste ses connaissances à lui. Okay. Il s'est servi de le livre d'optique. C'est un livre scientifique qui a environ 2000 ans de connaissances, toutes accumulées, soit des scientifiques grecs, égyptiens, chinois, japonais, tout ça, tout ensemble, puis a utilisé ça pour pouvoir faire son télescope, son tout premier télescope. Et c'est quoi la plus grosse difficulté avec ce télescope? Une des plus grosses difficultés, c'est en fait, c'est la pollution de lumière. Tu vois, nous, on est dans une ville. Les grosses villes, les villages, ils reflètent un dôme de lumière par-dessus eux. Puis en fait, ça masque beaucoup de détails quand on cherche dans l'espace. Donc, c'est vraiment la différence entre tu trouves quelque chose, tu le trouves pas. Donc, un des plus gros conseils, c'est va en campagne. OK. Et donc, c'est ça l'avantage d'avoir une plus grande taille? Évidemment, oui. De l'ouverture? Celui-ci, c'est plus pour le plaisir, pour si t'es curieux. OK, merci beaucoup Maxime Natto, mais c'est le seul moment qu'on a juste pour aujourd'hui. Mais restez avec nous, chers téléspectateurs. Dans quelques instants, vous allez suivre Richard qui va nous présenter les écouteurs dynamiques. Merci et restez avec nous.
Bonjour, bienvenue dans notre émission à découvrir. Aujourd'hui, à votre émission, nous avons le plaisir de présenter M. Alexis. Bonjour, M. Alexis. Bonjour, bonjour. Oui, en fait, on voulait savoir, le public voulait aussi savoir, ici, vous êtes ici, vous voulez nous parler, le fameux livre. Dites-nous donc, quel est le livre? Eh bien, ce livre-là, c'est un livre de Donjons et Dragons de 5e édition de Player's Handbook ou le manuel du joueur. Vu qu'on est en français, c'est comme ça qu'il est appelé. Ce livre-là, pour moi, c'est un des livres les plus importants de ma vie et surtout d'autres joueurs. Pourquoi? Parce que c'est avec ce livre-là qu'on est capable de jouer à Donjons & Dragons. Ouais. Je ne vais pas faire un petit résumé, c'est quoi Donjons & Dragons? C'est un jeu de rôle où tu incarnes un personnage et tu fais des aventures. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice, il n'y a pas un point A à un point B. C'est principalement, tu joues tes aventures, tu peux soit cueillir des fleurs ou devenir le champion de mangeur de tarte au monde. Mais créer des personnages, est-ce qu'il y a des limites dans la création de personnages? Oui et non. Oui, parce qu'il n'y a aucune... Oui, parce qu'il faut que ça respecte le livre, parce que si le livre n'est pas respecté, tout peut être pété, brisé. C'est comme, par exemple, les règles d'un sport. Il faut respecter les règles du sport pour avoir des points. Mettons, au baseball, il faut que tu frappes avec le bat de baseball, il ne faut pas que tu frappes avec ta tête. Okay. Sinon, tu vas avoir mal de un et de deux, c'est pas mal que ça marche. OK. Vous avez parlé de la classe et des races. Peux-nous en rémunérer? Ou... Oui, bien sûr. Donc, les races se résument principalement en trois catégories. Ceux qui font de la magie, ceux qui tapent et ceux qui tapent en faisant de la magie. OK. Je vais donner quelques exemples. Ceux qui font de la magie, on a les essentiels Warlock, Wizard et Sorcerer. Pour résumer, ceux autres qui font plus de la magie avec ou sans l'aide d'une autorité divine ou un pacte qu'il a fait avec un démon, parce que oui, il y a même des démons dans ce jeu-là. Okay. C'est pour ça qu'à une époque, on pensait que c'était un jeu satanique, mais je vous assure, c'est juste des bouts de papier. OK, parfait. Tu as dit que cela a été la moitié des livres pour faire une session D&D. Mm-hmm. Quel est le suivant? Le suivant, ben, pour la faire très simple, ceci, c'est le manuel du joueur. Oui. Mais comme dans n'importe quel sport, il y a toujours l'équipe adverse. L'équipe adverse, c'est le Dungeon Master, le maître du donjon, le DM. Et lui, il y a un livre qui s'appelle The Monster Manual, le manuel des monstres. Oui. Ce manuel-là, c'est principalement tous les méchants, tous les antagonistes, toutes les bébêtes, tous les méchants du monde qui vont venir te taper dessus, t'embramber et principalement te faire chier durant ton aventure. Okay. Parce que dans n'importe quel jeu, n'importe quelle histoire, il y a toujours des obstacles. Il y a toujours un grand dragon, Donjon Dragon, qui vient toujours te faire chier. Et combien coûtent les livres? Ce livre-là et les deux livres, le Monster Manual et le Player's Handbook, coûtent chacun 50$. Donc oui, ceci et son autre homogène coûtent 100$. Oh, wow. C'est pas donné, ça vaut la peine parce que ce livre-là a plus de 100 ans d'existence également. Oh, wow! Okay. Oui, c'est la 5e édition, là. Oui. C'est l'un des livres qui a eu le plus de censure, autre que la Bible, mais c'est l'un qui a eu les plus de censure à cause de ses thèmes sataniques et non chrétiens, si tu vois ce que je peux dire. Parfait. Et où est-ce qu'on peut en procurer le livre? Pour être honnête, n'importe où, dans les boutiques de livres normales ou dans les boutiques de jeux de société en général. Il y aura toujours un livre Donjons & Dragons en général. Et pour être honnête, soit à prix réduit, soit ça vient en bundle ensemble moins cher. Parfait. Bon, c'est malheureusement notre fin d'émission. Et merci d'avoir répondu à nos questions. C'était super, très intéressant les livres. Et pour les prochaines émissions, on va vous présenter M. Jérémy Lemieux qui va nous présenter son objet. Parfait. Et à bientôt. Parfait. C'était...
Bonjour, bande de bonnes personnes, et bienvenue à la deuxième émission la plus populaire de la cité à découvrir. Aujourd'hui, nous retrouvons le seul et l'unique Jérémy Lemieux qui va nous parler d'un kit d'escalade. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tous ces beaux outils-là? Tous ces beaux outils-là sont tous des systèmes d'assurage qu'on utilise en escalade qui permettent, lorsqu'on fait de l'escalade en hauteur, on a besoin d'une corde et la corde doit être sécurisée d'une certaine façon. Donc, le grimpeur s'attache évidemment. Mais l'autre côté, vu que la distance entre le grimpeur et l'assureur vont changer, on va devoir soit prendre du loup ou en donner. Et tous ces systèmes-là permettent tous de le faire. Donc, le plus sécuritaire, puis mon préféré ici, c'est le gris-gris, qui est super simple. On peut l'avoir en plusieurs couleurs, évidemment, mais ça ne change pas l'utilité. Principalement, il va bloquer automatiquement lorsqu'on va donner un coup sur la corde. Et c'est pas mal ça, la fonction de base. Ouais. Donc, en gros, tout ça, c'est pour empêcher une chute, n'est-ce pas? Oui. Mais j'imagine que le gris-gris, il est beaucoup plus technologique, mais les deux autres, genre, par exemple, le petit saut, là. Oui, celui-là, juste ici. Comment il fonctionne? Ah, oh, il y a des trous! Ouais. Donc, les cordes vont à l'intérieur, mais est-ce qu'il est plus difficile à fonctionner avec que le gris-gris? Il n'est pas forcément plus difficile, il faut juste avoir plus l'expérience à l'utiliser. Donc, c'est plus d'entraînement avec, plus en milieu sécuritaire. Et il fait le même travail, c'est vraiment juste qu'il y a une moins grande marge de manœuvre pour les erreurs, mais moins grande marge d'erreur. Mm-hmm. Donc, en gros, le gris-gris, c'est pour les débutants. Exemple. Comme par exemple, moi, qui n'ai jamais fait d'escalade, tu me conseillerais plus le gris-gris que le petit saut ou l'espèce de… Ouais, comment il se nomme celui-là? Comme tel, on a le gris-gris qui est au centre et on a de chaque côté, on a les ATC. C'est une compagnie aérienne qui a créé ça. Une compagnie aérienne? Oui, je sais, c'est étrange. Qu'est-ce qu'ils font dans l'escalade? C'est une bonne question. Mais on a l'ATC régulier juste ici, qui est un petit panier qu'on peut le comparer avec les deux anneaux. Et on a ici l'ATC pilote, qui ressemble un peu à un bec et que la corde va s'insérer juste au centre. Donc ici, on l'a en doublé. Ici, on l'a en simple. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration, vu que tu as une corde ici, avec ton adaptateur préféré? Mon préféré, évidemment, ce serait le gris-gris juste ici. Et comme tel, pour l'installer, c'est assez simple. On a des petites images sur le devant avec un petit grimpeur et un petit assureur ici. Donc, il vient s'ouvrir tout simplement. Et on prend la corde que j'ai juste ici et on va pouvoir glisser à l'intérieur comme ça ici. Et on va pouvoir le refermer. Puis là, juste pour vous montrer comment ça va fonctionner à l'intérieur. En gros, si le grimpeur qui est ici va prendre une chute, on va voir qu'il va venir coincer la corde de ce côté-ci, ce qui va empêcher la corde de passer. Hmm. Donc, en gros, on peut dire que cet outil-là t'a sauvé la vie a sauvé la vie de d'une personne. Plusieurs personnes. Puis justement, comme que j'en ai parlé, la différence entre le gris-gris et les ATC, c'est leur marge de manœuvre. Le gris-gris, j'aime ça l'appeler un peu « dumb-proof ». C'est que il est à l'épreuve de toute erreur, mais pratiquement toute. Il n'y a jamais la totalité absolue. Mais la très grande majorité des accidents qui vont se passer avec un gris-gris vont être sauvés à cause justement de son système mécanique de blocage, tandis que les ATC, eux, font juste un système de freinage. Donc, ils vont ralentir une chute et c'est l'assistance humaine qui va faire que la chute va être annulée au complet. Très bien. J'imagine que le gris-gris coûte plus cher. Donc, c'est quoi à peu près le prix en moyenne de cet objet-là? Le gris-gris, on parle d'environ 150 $ pour une durée de vie de, je vous dirais, jusqu'à usure. Donc, si je m'en sers jusqu'à souvent… Jusqu'à usure, hein? Si je m'en sers beaucoup… Désolé, malheureusement, c'est tout le temps qu'on nous avait. Désolé d'avoir interrompu. Mais merci beaucoup d'avoir venu ici et nous parler de cette affaire-là. Mais ce n'est pas tout, parce que la prochaine émission sera sur Eli Mécanisme qui va nous parler des K-pop, des vinyles de K-pop. Alors, restez et passez une super bonne journée.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir avec nous Abdelghani Sarraoui, qui va venir nous parler de son stabilisateur de caméra et tout ce qui englobe ceci. Alors, bonjour Abdel, ça va? Bonjour Océane, ça va, merci toi. Oui. Ça m'a fait plaisir pour être là avec toute l'équipe. Alors, aujourd'hui, je suis là pour parler de ma Donc, c'est ça, exactement. Ça. Donc, premièrement, viens nous parler, c'est ça, c'est, comment ça, le fonctionnement exactement du Ronin? Parfait. Ça, c'est un stabilisateur Ronin RSC2. Ça, c'est le Pro Combo. C'était créé par la compagnie DJI, qui était spécialiste de produire tout ce qui est audiovisuel ou bien production. Les drones à l'école. Oui, les drones, les caméras, les stabilisateurs. Et voilà. Ça, c'est le RSC2 Pro Combo, parce qu'il y a deux. Il y a le RSC2 Simple et le Pro Combo. Ça, c'est un peu développé que l'autre à cause des autres accessoires. Alors, non, c'est ça. Oui, le stabilisateur, c'est nécessaire pour tous les vidéastes, bien cinématographes, pour prendre des shots fluides et stables et pour créer réaliser des projets magnifiques. Parfait. Oui. Donc, exactement, peux-tu nous montrer comment s'équilibre bien sûr, ce stabilisateur-là? Tout d'abord, on va installer les pièces, les différentes pièces. Ça, c'est la batterie. En même temps, c'est une partie importante dans le stabilisateur. Oui. On commence avec la batterie. Ça, c'est la partie plus importante. OK. C'est juste en bas. Et voilà. Il faut d'abord ouvrir l'accès là, comme ça, c'était installé. Et voilà. Il y a beaucoup d'accessoires, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer tout ça. Ouais, alors, c'est juste bon. J'essaie de faire ça. C'est beau. Ouais. Dans le fond, aussi, c'est quoi la fonction automatisée? Peux-tu nous expliquer c'est quoi, puis à quoi ça sert et c'est quoi ça fait? Voilà, pour la fonction automatisée, c'est par les facilités de cet stabilisateur. Bien, elle nous donne beaucoup de facilités et prend différents modes, comme mode panoramique, mode time-lapse en mouvement ou bien hyperlapse. C'est ça. Ça, c'est très important pour prendre des shots, belles shots. Oui. Encore. Et voilà, je vais faire comme ça. Cool. Yeah. Parfait. Comment est-ce que ça se contrôle, tu dirais? Comment est-ce que ça se contrôle? Ah oui, pour contrôler ça, oui. Avec la technologie de l'RSC2, tu peux contrôler avec ton téléphone. Okay. Oui, tu peux c'est juste manipuler avec ton téléphone et l'application de DJI Ronin. Okay. C'est juste pour contrôler, faire des mouvements, des pans, des tilts. Et ça, c'est l'application. Parfait. Oui. Cool. Puis ça, c'est compatible avec quel type de caméra, ça? Cet stabilisateur était compatible avec beaucoup de caméras. Oh, wow. Parce qu'il y a beaucoup de câbles, comme tu peux voir, avec les téléphones, même les smartphones. Mm-hmm. Alors, les caméras Canon, Sony, Nikon, et elle peut, tu peux faire... Il peut prendre, Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Désolée. Pour la prochaine émission, nous avons Maud Scantlin qui va venir nous parler de ses avirons. Merci beaucoup, Abdel, d'être venu nous parler de ton stabilisateur caméra. Donc, restez des nôtres pour voir Maud parler de ses avirons à la prochaine émission. À la prochaine!
gentil. Là. Bonjour Maud. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Maud Scantland dans notre émission À découvrir. Elle vient pour présenter un modèle particulier de sa aviron. Bonjour Maud. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors, qu'as-tu apporté aujourd'hui, Maud? Donc, aujourd'hui, je vous ai apporté deux types d'avirons. J'en ai un plus arrondi, puis l'autre rectangulaire. OK. Elles sont lourdes, non? Un petit peu, pas trop. Ouais, parfait. Alors, on entend souvent aviron, pagaie et rame. Quelle est la différence entre les trois? Donc, l'aviron, c'est ce qui est utilisé pour pagailler en canot. Mm-hmm. La pagaie, c'est ce qui est utilisé en kayak. Il y a deux pales aux extrémités. Ah, OK. Puis la rame, c'est quelque chose avec le manche plus long. On l'utilise plus en chaloupe pour se déplacer. OK. C'est cool, c'est intéressant. Et quels sont les différents types qui existent? Donc, ce qu'il faut regarder pour les différents types, c'est vraiment surtout la pale. Attention! Il y en a deux plus principales, une rectangulaire et une plus arrondie. Donc, il y a la queue de loutre, la queue de castor. La queue de loutre est encore plus allongée que celle-ci. Il y a aussi différents matériaux utilisés, du bois, du métal, du plastique. C'est vraiment selon les budgets, selon les besoins. Okay. Puis, il y a aussi l'olive, la poignée qui différencie selon les besoins. Pour les facilités d'utiliser. C'est ça, exactement. Parfait. Et voilà. Et comment choisir un aviron? Donc, il faut vraiment déterminer au départ si on veut faire du canot d'eau vive ou du canot d'eau calme. Pour le canot d'eau vive, une pagaie plus courte va être nécessaire parce que sinon, on va accrocher le fond. Vu que les roches sont plus près, c'est mieux quand elle est plus courte et rectangulaire. Quand la pagaie est rectangulaire, on va pouvoir déplacer plus d'eau à la fois. Okay. Donc, un coup plus efficace qui va demander un petit peu moins de force. Alors que pour le canot d'eau calme, une pagaie plus longue peut être plus pratique parce que ça demande moins d'énergie sur le coup, même si à long terme, ça va revenir à peu près au même. OK. C'est cool. Ouais, c'est Il faut aussi voir la hauteur. Généralement, on veut que nos bras soient à 45 degrés, à 90 degrés chacun, quand on met la pagaie au-dessus de notre tête. OK. Donc, celle-là serait de la bonne grandeur pour moi. OK. Est-ce que je peux l'essayer? Oui, vas-y, essaie. Comme ça. Tu mets ta main sur la poignée, puis sur le collet ici. OK. Là, tu lèves ta tête. OK. Fait que là, elle serait un petit peu courte. OK. Parfait. Si la pagaie est trop longue, on va demander plus d'effort pour avancer, faire un point d'appui, puis on va aller trop loin derrière. Ouais. Ça va faire trop d'efforts pour revenir. Parfait. Il y a aussi le matériau utilisé. Si on fait de la compétition, un aviron plus léger, ça va être plus pratique, probablement en film de carbone ou en aluminium. Ouais. Le bois, c'est plus un aspect traditionnel. Okay. Ça peut demander aussi plus d'entretien. Si on regarde, celle-là est vraiment abîmée beaucoup. Ouais, c'est... Il faudrait la sabler et la revernir. Donc, si on n'a pas le goût de s'embarquer là-dedans, on peut choisir un aviron en plastique. OK. C'est surtout ce qui est utilisé pour les groupes d'expédition. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de plaisir, mais avec tout ça, toutes les informations, merci beaucoup, Maud, pour ton visite aujourd'hui. Et maintenant, on a connu des informations beaucoup mieux, c'est quoi un aviron avec Maud. Merci beaucoup à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir Alexandre Descourville. Bienvenue au plateau. À la prochaine émission, j'espère que tout est bien.
Bonsoir et bienvenue à l'émission À découvrir. Mon nom est Jeanne Ferland et je serai votre animatrice pour cette émission découverte. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jesse Finson, un étudiant du programme de production télévisuelle, qui va nous présenter sa Nintendo Switch et ses particularités. Bonjour Jesse, bienvenue à l'émission. Bonjour, comment ça va? Ça va bien toi? Bien, yeah, ça va bien. Donc, veux-tu commencer par nous présenter ton objet? Juste bouger ça. Okay, so, aujourd'hui, comme Jeanne avait dit, j'ai apporté mon... Non, je vais tenir la main. J'avais apporté mon... Avec tous les doigts graissés dessus, j'avais apporté mon Nintendo Switch parce que... Bon, c'est, j'aime jouer. Juste bouger mon case. Puis là, je vais prendre s'il faut que je monte d'autres choses. Donc, pourquoi est-ce que tu as choisi cet objet-là? Bon, comme j'ai dit comme un petit peu, c'est... vraiment bon comme bouger comme mm-hmm. place à place. Ça se transporte bien. Mm-hmm. Puis comparé comme un PS4 ou quelque chose d'autre comme plus grand, ça a besoin des fils. Puis, Puis sinon, c'est quoi le modèle de cette Nintendo Switch? Celui-là, c'est un des plus récents OLED 2021. Puis il y en avait un. Un qui est comme la première, c'était 2027, non, plus 27, 2017. OK. So, quand même comme du temps qui a passé. Ouais. De l'écart entre les deux modèles. Mm-hmm. Puis c'est quoi ses fonctionnalités? Encore, tu peux l'amener n'importe où, puis je peux même aussi montrer. Tu peux enlever les deux manettes, puis là tu peux passer à tes amis. Puis tu peux avoir plus que. Ça, c'est une autre chose. Tu peux avoir plus que deux manettes. Puis là, tu peux jouer comme Mario Party ou. En un autre. À quatre ou. Mm-hmm. Puis une autre chose, juste aussi montrer. T'as les petits cartes de jeu, ça c'est pas comme un DVD ou. Je n'ai pas besoin comme un gros case pour l'amener. Ou mm-hmm. C'est quoi les progrès entre ce modèle-là et l'ancien? Le set de 2017. Yikes. Comme j'ai dit, ça c'est un screen OLED. So tu peux voir avec les couleurs. Puis c'est aussi, si je ne m'en rappelle bien, c'est plus grand que l'ancien modèle. OK. C'est quoi ton opinion sur la Nintendo Switch? Si tu aimes les jeux vidéo, puis obviously tu as de l'argent pour, mm-hmm. puis aussi tu aimes Nintendo, je dirais l'achète-le, mais tu peux, aussi acheter la dernière modèle, je pense. Je peux aussi, je peux être wrong, mais. Mm-hmm. Yeah. Sinon, est-ce qu'il y a des annonces d'un nouveau modèle qui pourrait s'en venir? Pas comme officiel, mais il y en a comme un ou deux qui est comme, je sais pas le mot français, mais comme des leaks, comme c'est pas annoncé, mais on peut comme voir, ça se peut, oui. Puis donc c'est pas annoncé, c'est pas officiel encore. Yeah, mais... Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Merci d'être venu nous partager la Nintendo Switch et ses particularités. Pour la prochaine émission, nous allons accueillir Cecilia Fulin-Grasselli, qui va nous présenter ses caméras argentiques. Merci d'être avec nous et restez pour la prochaine émission.
Bonjour tout le monde et bienvenue de voir l'émission À découvrir. Puis mon nom est Joseph Vincent, puis je vais être votre animateur pour les prochaines 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons Cécile qui va parler de son caméra argentique. Merci d'être venu. Merci de m'accueillir. Avant tout, comment as-tu eu cette caméra-là? Donc, il y a quelques années, j'ai remarqué que les gens sur les réseaux sociaux publiaient des photos avec un effet rétro et qui avaient l'air vintage. Et je voulais m'informer pour savoir comment obtenir cet effet-là, moi aussi, quand je prenais des photos. Donc, j'ai découvert que les photos, soit les gens ajoutaient un filtre ou ils prenaient les photos sur des caméras argentiques, donc des film cameras, donc comme celle-ci. Celle-ci, je l'ai trouvée à une friperie pour 7 $. Puis, j'ai commencé à prendre des photos avec et j'ai découvert que c'était pas comme prendre des photos sur le téléphone ou sur une caméra digitale. C'était très différent. Très différent. Je veux dire, j'assume que quand c'est comme en bonne condition, ça va cher, j'assume. Oui, c'est ça. Donc, pour prendre les photos, tu as besoin d'un film. Donc, c'est ça ici. C'est un ruban de film, une pellicule. Puis si je le déroule, il est vraiment long, mais dans la caméra, il va se dérouler à chaque fois que tu prends une photo. Ça prend C'est ça, comme une image. Ça va rouler et ça prend une image. C'est ça, une image à la fois. Puis ici, ce rouleau-là, il a une limite de 36 photos. Donc, si je le mets à l'intérieur de la caméra, je peux juste prendre 36 photos avec. Il faut qu'il soit comme parfait. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, je peux pas voir les photos aussi quand je les prends. Donc, ça fait que quand je prends une photo, vu que je la vois pas, je veux vraiment comme m'assurer d'avoir le right angle, la bonne quantité de lumière aussi. Une chose avec cette caméra-là, c'est que je ne sais pas si tu vois, mais il n'y a pas vraiment d'objectif comme externe ou rien. C'est une point and shoot, donc c'est vraiment tu pointes et tu shoots. Tu n'as pas d'ajustement genre ouverture, ISO, puis shutter speed. Fait que c'est vraiment pratique quand tu veux faire quand tu veux capturer des moments comme rapidement sans devoir comme faire tous les ajustements. Comparer des caméras numériques. Y a-t-il comme une différence ou… Oui. Donc, déjà, je les trouve plus belles, les caméras argentiques. Celle-là, elle est quand même légère, mais il y en a d'autres qui sont comme vraiment plus grandes puis plus lourdes. Celle-là, vu que c'est une point and shoot, c'est vraiment, comme j'ai mentionné tantôt, c'est pour capturer des moments rapidement. Fait qu'elle est pratique à amener n'importe où. Puis c'est ça. Pour voir les photos que tu prends, comme j'ai mentionné tantôt aussi, c'est pas comme en numérique où tu peux juste voir la photo que tu prends. Il faut que tu amènes le ruban ici. Une fois que tu enlèves de la caméra, tu l'amènes dans un laboratoire de photo argentique. Et ils vont le développer dans une chambre noire parce que ces photos-là ne peuvent pas être exposées à la lumière. Ce morceau-là, il est déjà exposé. Ça va y prendre en photo. Mais tout ce qui est dedans, il est comme protégé de la lumière. Fait que quand ils vont le développer, il faut que ça soit dans le noir. Parce que dès que c'est exposé à la… Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Merci d'être venu et présenter votre caméra argentique. Restez avec nous pour notre prochain épisode. Prochain épisode. Puis nous avons l'invité Ellie Molloy qui va présenter son objet de soulier de claquettes. Puis au revoir. On prend une photo?
tête. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission À découvrir. Je suis Daniela Bongongo, je serai votre animateur pour animatrice pour les 5 prochaines minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jeanne qui nous parlera de ses écouteurs Sony MX5 et de son utilité. Bonjour Jeanne. Salut. Comment vas-tu ce matin? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Tout d'abord, nous aimerions savoir la raison qui t'a poussée à acheter ces écouteurs-là. Oui, donc j'ai acheté les Sony WH-1000 MX5, on appelle aussi les Sony MX5, parce qu'initialement, mes écouteurs avaient brisé. Donc, tu sais ça, je faisais ma recherche, je voulais avoir une nouvelle paire d'écouteurs. Je voulais des écouteurs qui étaient over the ears, donc par-dessus les oreilles, qui avaient une bonne annulation de bruit. Puis, tu sais, je suis pas, je me considère pas comme une audiophile, donc je m'attendais à une qualité de son qui est quand même bonne, mais pas le top des tops non plus. C'est ça. Mon père a une paire d'écouteurs de Sony, comme celle-là. J'ai pu les essayer, je les ai aimés, donc je les ai achetés. Alors concrètement, qu'est-ce qui caractérise les écouteurs Sony MX5? Bien, ce qui les caractérise, c'est que justement, ils ont une des meilleures technologies d'annulation de bruit. Aussi, ils ont un audio de haute résolution, donc high-res. Aussi, il y a plusieurs fonctionnalités technologiques avec une application qui s'appelle Headphone Connect. Donc, on peut réguler toutes les fonctionnalités, le son, comment on veut l'entendre, qu'il soit plus grave, plus aigu. Aussi, ils ont une batterie d'une durée de 30 heures environ. Et quand on les charge pendant 3 minutes, on peut récupérer jusqu'à 3 heures de batterie. OK. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne le plus de ces écouteurs? Je les trouve réellement super confortables. Les coussinets sont vraiment, tu sais, sont mous, sont confortables. Oui, on peut les porter pendant plusieurs heures. Aussi, le bandeau, il s'ajuste. Okay. Donc, puis il y a aussi de l'épaisseur là, en haut pour les rendre super confortables. C'est sûr que la durée de la batterie, ben c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas besoin de la brancher à tous les jours. Okay. Puis c'est ça. Et qu'est-ce qui est pratique avec ces écouteurs-là? Ben parmi ces fonctions technologiques, il y en a une qui s'appelle mode d'attention rapide. Donc, quand on met notre main sur la coquille droite, l'annulation de bruit s'enlève, puis on peut s'entendre, on peut parler avec les gens. Dès qu'on enlève notre main, l'annulation de bruit revient. Il y a un bouton sur la coquille gauche, juste ici, qu'on peut peser dessus aussi, qui enlève l'annulation de bruit et qui la remet. Puis, il y a aussi une autre fonction qui s'appelle « parler pour chatter ». Donc, quand on parle, l'annulation de bruit s'enlève automatiquement. Quand on arrête, elle se remet. Okay. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités technologiques comme ça qui sont quand même assez pratiques. Oh, super! Alors, tu nous as parlé des points positifs de ces écouteurs-là, mais est-ce que ces écouteurs-là ont aussi des points négatifs? C'est sûr. Il faut avoir le budget, un bon budget pour pouvoir les acheter parce qu'ils coûtent quand même 400 $. Il y a toujours la possibilité de les acheter seconde main. Okay. Donc, que ce soit sur Best Buy, Refurbished, Open Box, ou qui coûterait moins cher, ou même sur Marketplace. Sinon aussi, le boîtier, il est quand même assez gros, donc il prend quand même beaucoup de place là, dans notre sac à dos quand on veut le prendre aussi. Ah, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à toi, Jeanne, d'être venue. Merci. Et merci de nous avoir fait découvrir tes écouteurs. Restez branchés, chers fidèles téléspectateurs de votre émission Tequila à découvrir. On se retrouve dans la prochaine émission. On recevra sur notre plateau Jess, qui nous parlera de sa Nintendo Switch. À très bientôt.
3, 2, 1, live. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Alexandre Mercier et bienvenue à l'émission Découverte à découvrir. Aujourd'hui à l'émission, je vous présente Olivier Parent qui va nous présenter son vinyle. Bonjour Olivier. Je vous présente Olivier Parent qui va nous présenter en détail son vinyle. Bonjour Olivier, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais. Alors, d'où vient le vinyle et quelle est son histoire? Ben, dans le fond, c'est assez simple. À la fin du 19e siècle, le gramophone mécanique est apparu. Puis, sur cet engin-là, on pouvait faire jouer des disques qui ressemblent au vinyle, mais c'était des 78 tours, donc ils étaient vraiment plus gros. Puis, vers les années 1948, le gramophone est un peu disparu puis a été remplacé par le tourne-disque. Puis sur le tourne-disque, on pouvait faire jouer les 78 tours aussi, mais il y a une maison, il y a une compagnie qui s'appelle Columbia qui, elle, est venue réinventer le milieu avec les 10 micro-sillons. Puis c'est là devenu les 33 tours, les 45 tours puis les 16 tours. Intéressant. Quelle est la différence entre les nombres de tours? Dans le fond, c'est assez simple. Lui ici, c'est un 33 tours, donc c'est un peu le format, on va dire, de base. Le 33 tours, on l'appelle aussi long play parce que c'est un peu un disque par face. Ça va être à peu près 20 à 35 minutes parce que chaque side a à peu près 4 à 5 chansons, tout dépendamment de l'album. Puis les 45 tours, eux, ça va être des 2 chansons par side, 1 à 2 chansons par side parce que ils vont être plus gros puis logiquement plus longs. Donc, c'est ça. Puis, il y a aussi les disques qu'on appelle Extend Play, qu'eux, ils ont 4 titres par side. Donc, c'est comme juste le pile-milieu entre les deux. OK. Ouais. Comment le vinyle est fabriqué? Le vinyle, dans le fond, c'est des granules de polymère qu'on va fondre, qui va faire comme une genre de pâte. On va après ça le mettre dans un moule qui va donner justement la forme du disque. Puis après, l'artiste ou le groupe va pouvoir venir graver à l'intérieur sa chanson. Donc, ça va donner le vinyle. Mais aussi, ce qui est cool avec les vinyles, c'est que lui, il est juste noir. Donc, les granules de polymère, la pâte finale était noire. Mais si on veut, on peut ajouter des composantes de couleurs. Donc, on peut mettre blanc avec du rouge pour que ça donne un effet. On peut donner du bleu avec du noir. Donc, c'est vraiment, tout est possible. Fait que c'est ça qui est beau dans les vinyles, c'est qu'on peut... On peut vraiment aller chercher comme une beauté dans le disque. Ouais. Ça peut être aussi... c'est un procès vraiment long quand les vinyles sont construits aussi. Oui, parce que, tu sais, genre, il faut faire fondre, il faut que tu trouves les couleurs, il faut que ça matche avec ce que l'artiste veut. Donc, ouais, c'est quand même... C'est un petit processus quand même qui prend du temps. Ouais. Pourquoi les vinyles sonnent aussi bon? Ben, dans le fond, c'est que dans les vinyles, c'est de l'analogique. Donc, il n'y aura pas d'échantillonnage. Donc, tu vas avoir le son complet de ce que l'artiste veut que tu entendes. Dans le fond, ils n'enlèveront pas des bouts de la musique. Donc, ça sonne plus comme l'original, comme ce qu'ils veulent te montrer. Donc, c'est pour ça que c'est mieux, parce que justement, il n'y a pas des... Comparé au CD, le CD, eux, ils vont faire de l'échantillonnage, ils vont enlever des morceaux de la musique. Tu ne l'entendras pas, mais c'est moins conforme à l'original, tandis que le vinyle, c'est conforme à l'original, si on veut. Est-ce que tu as des albums d'artistes préférés, de préférence? En ce moment, je suis à la recherche du disque... de Nirvana, dont j'ai Nevermind de Nirvana. Puis, je cherche aussi des albums des Beatles parce que c'est quand même très rare. Donc, quand tu en as dans ta collection, genre, c'est vraiment bon. Puis, sinon, dans ma collection en ce moment, j'ai lui de Bullet for My Valentine. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Merci, Olivier, d'avoir venu parler avec nous et présenter en détail ton vinyle et toute l'histoire de ce. Ouais. Reste à l'écoute car à la prochaine heure, notre invitée sera Austin Pickerton et elle va nous présenter son screenplay de Lady Bird. Restez à l'écoute.
Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission à découvrir. Ici Ellie McInnes, votre animatrice pour aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité Alexandre Mercier qui va venir nous présenter sa guitare acoustique électrique Takamine. Bonjour Alexandre, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien. Donc, parle-nous un petit peu de ta guitare. Ma guitare acoustique électrique, ma guitare acoustique électrique, c'est une guitare fabriquée par la compagnie Takamine. C'est une compagnie basée au Japon. Takamine, le nom de la ville qui est basée, je ne me rappelle pas du nom, mais c'est dur à prononcer. Mm-hmm. Je crois que c'est Taki quelque chose. Ouais. De quel matériel elle est faite, ta guitare? Ma guitare est faite de bois de Mahogany, c'est ça le nom en anglais, je ne me rappelle pas du nom en français. Il y a des micros, il y a plein d'électronique à l'intérieur qui prend le son des cordes quand tu joues. Puis c'est tout connecté, si tu branches ça en ampli, les micros vont tout prendre le son, puis ça va tout rendre ça, tout amplifié, puis ça fait du beau son. Mm-hmm. Ouais. Tu joues depuis longtemps? Oui, depuis 8 ans. 8 ans? Oui, depuis que j'ai commencé mon secondaire. Et t'as appris ça par toi-même ou bien t'as pris des cours? Au début, j'ai joué par moi-même. Je jouais à l'écoute. Quand j'écoutais des chansons, je figurais quelle note vous jouez. Puis là, j'ai eu des cours. Mm-hmm. J'ai appris le chromatic scale, je pourrais dire. Je m'en rappelle pas du nom en français. C'est correct. Ouais. Je suis vraiment curieuse d'entendre comment elle sonne, cette guitare-là. Ce serait quoi ta chanson préférée à jouer sur la guitare? Ma chanson préférée à jouer sur ma guitare, c'est About a Girl par Nirvana. C'est une chanson qui vient du premier, du premier album d'eux autres. Ouais. Je connais pas. Peux-tu nous faire une démo? Oui, bien sûr. Ça commence par un... C'est quand même excellent, là. Ouais, ouais. Et je veux dire, c'est une chanson qui est utilisée professionnellement. Ouais, ouais, ouais. Tu connais-tu des artistes qui ont la même guitare? Oui, je connais beaucoup d'artistes qui ont des guitares de cette marque. Il y a Bon Jovi, Bruno Mars, je crois qu'il y avait Bruce Springsteen aussi. Je crois que c'est toutes les que je connais. Ouais. Ouais. Quel genre de son ta guitare elle peut faire? Quel style un petit peu? Le son que ça peut produire quand c'est pas branché sur un amplificateur, ça sonne comme une guitare normale. Mais quand tu le branches dans un ampli, ça sonne plus clair, plus comment je pourrais dire deep en français? Deep. Mm-hmm. Ouais, ça fait vraiment des beaux sons. C'est vraiment idéal pour jouer dans des concerts ou des événements. Mm-hmm. Si tu veux entendre une partie acoustique dans une chanson que tu veux jouer live, puis ça sonne pas très fort quand c'est une guitare normale acoustique, mais quand tu le branches sur un amplificateur, tu peux l'entendre. Ça fait vraiment des beaux sons. Puis pourquoi tu conseillerais cette marque-là plus qu'une autre? Je conseillerais cette marque-là plus qu'une autre parce que c'est une guitare vraiment bonne. C'est la manière que c'est fait, c'est le coup, c'est vraiment facile pour mes mains. Bien, merci beaucoup, Alexandre. C'est malheureusement tout le temps que nous avions, mais c'était vraiment très intéressant. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'écoute également parce que lors de la prochaine émission, nous allons avoir Olivier Parent qui va également venir nous parler de musique, mais cette fois-ci pour nous présenter des vinyles.
Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à votre émission démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Océane Pinkerton qui vient nous parler du film Lady Bird et de son livre Screenplay. Bonjour, Océane. Hello. Qui est l'auteur ou l'autrice de ce screenplay et d'où vient cette histoire? Comment est-ce que le tout s'est développé? Alors, le screenplay de Lady Bird, dans le fond, ça a commencé... dans le fond, l'écrivaine, pas ça, c'est Greta Gerwig. Elle, dans le fond, le screenplay, dans le fond, il avait commencé avec plus de 350 pages, mais éventuellement, il était raccourci. Puis c'était censé s'appeler Mothers and Daughters avant, mais encore une fois, le nom, il a changé à Lady Bird. Le tout, dans le fond, a commencé... elle dirait que le film, il n'est pas comme une autobiographie, mais assez définitivement inspiré de certains faits dans sa vie qui arrivaient, des événements qui l'ont inspiré à créer une histoire de ce genre-là. Mais ce n'est pas nécessairement comme toute son histoire à elle, puis tout ça. Elle, dans le fond, pour commencer l'histoire, pour c'est ça, le filmage, puis tout, dans le fond, elle a invité les gens du crew. Elle leur a donné certaines photos et annuaires d'école d'elle dans son temps quand elle était jeune, puis elle allait à l'école. Okay. Elle leur a fait faire un tour de Sacramento, où c'est sa ville natale, et où ce que le film est filmé, pour leur donner vraiment comme une vision de qu'est-ce qu'elle aimerait. Puis elle veut vraiment que c'est ça, le film soit comme une vieille mémoire, dans le fond. Okay, donc, c'est un petit peu de là vient l'aspect comme du film. Puis, je ne sais pas si tu connais ces deux films-là, mais The 400 Blows puis Boyhood. Elle dit qu'elle s'est beaucoup inspirée de ces deux films-là pour faire Lady Bird, mais d'une version plus féminine, puis plus comme What It's Like Growing Up, adolescente femme. Donc, je trouve ça très intéressant. OK, c'est vraiment intéressant. Quand est-ce que cette œuvre a été écrite et publiée, puis sortie en cinéma? Donc, Lady Bird a commencé à être écrit en 2015, mais seulement apparu le 1er septembre 2017. Il est sorti en première, dans le fond, au 44e Telluride Film Festival. Après, je pense, le 8 septembre, au Toronto Film Festival. Puis ainsi, je pense, le mois d'octobre ou décembre, vers la fin, au New York Film Festival, puis ensuite une release au cinéma partout dans le monde. Je veux dire à New York, désolée, la première fois le 3 novembre puis 2017, puis après le 27 novembre ou le 24 novembre 2017 a été la sortie officielle du film partout. C'est ça. Puis en juillet 2017, A24 ont eu accès à les droits de ce film-là pour enfin comme le faire programmer partout. OK. Parfait. Quelle est la situation actuelle du screenplay? Donc, dans le fond, le film a amassé beaucoup de nominations. Donc, je pense que le film a été nominé pour comme 187 nominations, puis il en a gagné 84 d'entre eux. Donc, c'était super. C'est un super bon film. Il est connu pour être le seul des 2017, un des dans la liste des 10 meilleurs films de 2017. Puis, c'est ça. Cool. Comment cette œuvre a-t-elle été reçue aux critiques? Donc, c'est ça. Comme j'ai dit, dans le fond, le film a gagné comme tel beaucoup de nominations, mais aussi les acteurs et, Greta elle-même s'est fait beaucoup de reconnaissance de son talent puis de son film. Désolée, c'est tout le temps qu'on avait. Nous sommes déjà rendus à la fin de l'émission. Donc, un gros merci à Océane qui est venue nous parler de ses objets en rapport au film Lady Bird. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Abdel Ghani, le chroniqueur invité, va venir nous parler de son stabilisateur 3-AC Ronin RSC2. Donc, soyez au rendez-vous pour lui.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous recevons Daniela Bongongo qui nous parlera du liboka, un mortier traditionnel africain. Bonjour Daniela, comment Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci. Donc, tu nous viens avec un objet en bois travaillé. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? Alors, ceci, c'est un outil de cuisine africain. C'est un récipient qui nous permet de broyer ou de piler de la nourriture. C'est aussi une sorte d'instrument qui permet à solidifier aussi les relations entre femmes en Afrique, précisément au village. C'est aujourd'hui un peu, c'est l'ancêtre du mixeur aujourd'hui. Donc, tu nous parles de solidarité entre femmes. Peux-tu nous en parler en profondeur? Ah oui, il faut savoir que au village, quand on fait des fêtes, on prépare de la nourriture en grande quantité. Et du coup, là, on a un gros mortier. On a un gros liboka et un gros mortier en français. Alors, une femme ne peut pas elle-même piler cette nourriture en grande quantité. Du coup, elle fera appel aux autres femmes. Et le processus, c'est quand tu, par exemple, on est à 4 à piler de la nourriture, c'est quand je pile et que je suis fatiguée, une autre vient me remplacer. Donc, c'est un message qu'on essaye aussi de lancer d'une certaine manière pour dire que il faut tout le temps venir à l'aide à la personne qui en a besoin. C'est super intéressant. Ça doit vraiment forger les liens d'un village. Oui, ça forge les liens. Puis, j'imagine il doit y avoir plusieurs sortes de liboka. Et oui, effectivement, on a 3 sortes de liboka, de mortier. On a celui-là qui est le format petit. C'est plus utilisé pour des épices, des petits trucs. Et on a le moyen qui est plus utilisé pour de la nourriture en moyenne quantité, peut-être pour 2 ou 3 personnes. Et on a des plus gros qu'on utilise pour de la nourriture en grande quantité, pour de festins et tout. Et ceci est appelé liboka et ceci est appelé le pilon. OK. C'est ce qui fait les mortiers. Puis, est-ce que le goût du bois vient dans la nourriture? Est-ce que ça change le goût? Non, le goût du bois ne vient pas dans la nourriture. Mais par contre, je pense que quand on pile la nourriture au lieu de mixer, pour moi, ça donne un goût original, je pense. Un goût parce qu'il n'y a pas le petit goût du métal derrière. C'est bon. Et ça nous permet aussi de, mesurer le niveau de nourriture, donc le niveau que tu veux, en fait. Quand j'essaie de piler des légumes, par exemple, je ne veux pas que ça soit trop poussiéreux. Avec mon mortier, mon liboka, ça me permet d'ajuster un peu le niveau que je veux de ma nourriture aussi. Donc, voilà. Si vous voulez, je peux vous faire une petite démonstration comment on pile. OK. Alors, premièrement, on met sa nourriture dans le récipient et deuxièmement, c'est comme ça qu'on pile. Et en Afrique, souvent, c'est drôle parce qu'en même temps qu'on pile, on peut chanter aussi, tu vois. Salongo, salongo, valinga musala, salongo. Et c'est plus comme ça que les femmes font aussi. Ça donne un peu de l'ambiance, tu vois. Ouais. On s'amuse. C'est vrai que c'est un travail, mais en même temps, on travaille, on s'amuse, on est dans la joie et c'est vraiment quelque chose de... Merci beaucoup, Daniela. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci. Donc, restez avec nous. Après la pause, nous recevons Jeanne Ferland qui va nous parler de ses écouteurs, des écouteurs Sony MX5. Ah, ça a été, je pensais que ça allait être plus long.
à tous et bienvenue à Découvrir. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Élie Meloy qui va nous parler de ses souliers de claquettes. Allô, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, donc, peux-tu nous parler un peu de tes souliers de claquettes? Oui, bien, c'est ça. Donc, ça, c'est des souliers de claquettes. Je viens vous parler de ça aujourd'hui. Je vous parle de ses phases conceptuelles, de son histoire, puis des icônes qui représentent ce style de danse. Parfait. Puis, c'est quoi ces phases conceptuelles? C'est ça. Donc, les phases conceptuelles des souliers de claquettes, ça a commencé juste nu-pied. Je vais en revenir plus tard là-dessus, mais c'est ça. Ça a commencé nu-pied sur du bois. Ensuite, ça allait passer à des souliers un petit peu qui ressemblent à ça, mais juste avec des blocs de bois en dessous. Okay. Ensuite, ça allait passer à des souliers avec des blocs de métal. Donc, en fait, ça ressemblait probablement plus à des scènes noires canadiennes, de plus dans ce style-là. Et en fait, et à la fin, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça a été les feuilles de métal. Donc, c'est ça, c'est encore ça que c'est aujourd'hui. Ça a passé, ça a grandi, ça a rétréci, ça, mais on est encore aux feuilles de métal en dessous des souliers. OK, fait que ça a passé à travers plusieurs évolutions. Ouais. Mais c'est qui la personne qui a inventé ces souliers-là? Donc, effectivement, l'histoire des souliers claquettes, elle est quand même pas mal sombre et triste. Mais en gros, ça allait commencer, c'était les esclaves dans les bateaux, dans les mines aussi. On peut penser au gumboot, qui est un autre style qui est dérivé de ça. Fait que ça allait commencer, ils se faisaient des rythmes puis des musiques avec leurs pieds sur des planchers de bois pour se communiquer des messages, justement. La personne qu'on pense qui a inventé, c'est dans le temps du début du 20e siècle, t'sais, quand tout le monde a commencé à se réunir dans les grandes villes comme New York, beaucoup de styles y ont été mélangés, comme la gigue irlandaise, puis les partages de connaissances ont été faits. Puis la première personne enregistrée dans l'histoire à avoir performé la claquette dans des spectacles et tout ça, c'est William Henry Lane, aussi connu sous son surnom de Master Juba. OK, puis est-ce qu'il y a comme un idole des souliers de claquettes? Oui, donc, mettons des personnes plus connues de nos jours, on peut penser à Chloé Arnold, qui a fait une chorégraphie entière de souliers claquettes, avec les souliers claquettes pour le film Spirited, qui a comme personnage principal Ryan Reynolds, puis Will Ferrell, qui joue un film de Noël, et toute la chorégraphie tient en souliers claquettes, c'est vraiment fun. Ensuite, on a aussi Michaela Marino Lane, puis Jared Grimes. OK. Puis est-ce que c'est considéré comme un instrument ou un élément de la danse? Donc, moi, je trouve que c'est pas mal un bon mélange, le soulier claquette. Je dirais que c'est un instrument de percussion, parce qu'il y a différentes manières de jouer. Le soulier claquette, je peux vous montrer ici. Donc, on a deux manières de jouer. On a deux sons qu'on peut produire. Mmh. On a le son qui provient du toe, donc la plaque en haut. Ensuite, on peut jouer avec le heel, qui est le talon, la plaque du bas. Fait que ça fait deux sons distincts. Mm-hmm. Puis si on les joue ensemble, ça crée un troisième son qu'on appelle un stomp. Un stomp ou un stamp. Ça dépend de comment on le fait. Okay. Mais c'est ça. Les étudiants de claquettes, ils doivent apprendre un petit peu de théorie musicale sur les rythmes puis des choses comme ça. Donc moi, je pense vraiment que c'est les deux. C'est un style artistique. Intéressant. Bien, merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. La semaine prochaine, on va accueillir Gad Canena qui va nous parler de son speaker. Merci beaucoup. Merci, Élie.